Bonjour à tous et tous mes voeux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Ces temps difficiles de Covid nous ont permis de nous recentrer sur ce qui était vraiment important. C'est plutôt bien. Donc, je vous souhaite à tous santé, bonheur et bonne humeur et un très bon ranking dans Google, de très belles positions. Alors, Mercatique est mort. C'est terminé. Vive Marketing Air Force. Avec une nouvelle équipe. Donc, j'ai quatre personnes maintenant en plus de moi dans l'équipe. Et un associé qui se trouve en Pologne qui va gérer tout ce qui est automatisation et le réseau de sites surtout parce que c'est un autre boulot. Ce qui permet moi de me refocaliser sur le SEO marketing et surtout d'aborder le SEO d'une manière plus complexe au niveau des audits. Mais aussi, surtout au niveau du netlinking persona, un concept qui nous est cher et qui permet de couvrir les trois objectifs principaux du netlinking. Pousser le money site, prendre des positions et donc capter du trafic en dehors du site web afin de travailler l'e-réputation. Trois points. Hein, comme on le disait, des arguments commerciaux ont plus de valeur quand ils sont dits à l'extérieur de la communication de l'entreprise. Donc, c'est ce relais qu'on met en place avec Marketing Air Force afin de couvrir un spectre plus large, afin de passer du SEO au search marketing. Du coup, on a des audits, on travaille toujours sur du on-site avec des audits plus complets, plus précis, sur du maillage interne, par exemple. Là, je suis en train d'auditer un site de 2000 pages sur le maillage. Interne, externe, quelle est la différence? Jusqu'où ça s'arrête. Donc, c'est là où c'est intéressant. Donc, des audits plus complets, un meilleur accompagnement, du content marketing et du netlinking sont les trois piliers du SEO en 2022. Sur ce, restez connectés. Je vais vous donner plein de conseils réguliers et on va faire des lives avec d'autres spécialistes en SEO afin de vous donner des clés pour avancer cette année. Allez, bon SEO à tous, bonne journée.